Toujours pas libre pour dîner, là. Non, Stevens. Rien à faire maintenant. Jeannette réserve ses sorties pour moi. Donne-moi son numéro de téléphone et je te prouverai très vite que ta naïveté ou ta fatuité te perdront, mon cher Dick. Mais ne devrais-tu pas être à Stockholm? Et toi, à Barcelone? Non, à Madrid. Pour être sincère, éternellement flamenco sur corrida, puis corrida sur flamenco, j'en avais par-dessus la tête. Alors, adieu l'Espagne. Le chef est seul? Je viens de le quitter de très bonne humeur. Au revoir, Dick. Et pense à me donner son numéro de téléphone. Hein. Stevens, je voulais te dire, si je peux flirter avec Jeannette, c'est à toi que je le dois. Je n'oublierai jamais le regard de ce Coréen avec sa mitraillette pointée sur mon estomac. Eh bien, Dick, si je t'ai sauvé la vie en te débarrassant de ce Coréen redoutable, paie ta dette et donne-moi tout de suite ce numéro. Tu fais du chantage, mais ce numéro, tu ne l'auras pas. Ah. Tiens, voici le mien. Et si un jour, par malheur, tu avais des ennuis, adresse-toi à ton vieux Dick.
Merci. Je vais bien rencontrer moi aussi mon coréen. Dans notre métier, il faut s'attendre à tout. Entrez. Bonjour, monsieur Harriman. Content de vous voir, Stevens. Nous avons reçu cette nuit votre câble chiffré de Madrid. Cigare? Non, merci. Mission accomplie. Voici l'électroscomètre gamma. Asseyez-vous. Vous avez fait du bon travail, Stevens. En 48 heures à peine, vous avez réussi à récupérer l'électroscomètre. Mais il y a pourtant quelque chose que vous ignorez. Un contretemps, si vous voulez. Ah oui? Et de quel ordre? Bien, voyez-vous, j'étais à peu près sûr que ce précieux appareil avait été volé par deux personnes. Le technicien chargé des relevés et son ami espagnol. Nous savons que le premier s'est suicidé, quant à la seconde... La seconde ne pourra plus parler. Exactement. Et pourtant, d'après certains documents trouvés sur le corps du suicidé, il apparaît que trois autres individus ont pris part au vol. Malheureusement, ils ont réussi à s'enfuir et ils se trouvent actuellement hors de notre territoire. Par conséquent, votre mission ne pourra être considérée comme terminée tant que vous n'aurez pas mis ces trois adversaires hors d'état de nuire. Ils ont déjà été identifiés et j'aurai leur fiche signalétique d'un moment à l'autre. Ça vous sera utile. Mais je ne vois pas à quoi ça sert de les supprimer, étant donné que j'ai récupéré l'électroscomètre gamma. Stevens, imaginez que l'un des trois hommes ait appris par cœur le principe et les données essentielles relatifs à l'appareil. Il cherchera à se mettre en contact avec nos rivaux et nous devons empêcher ses fuites coûte que coûte. Et puisque nous ne savons pas lequel des trois a une assez bonne mémoire pour retenir ces données... Pour éviter de courir des risques, il est préférable de se débarrasser des trois. C'est ça. Patron, encore une petite question. Je vous écoute. De tout cela, si j'ai bien compris, il ressort que ces trois hommes n'ont pas la moindre idée de mon existence ni de mes intentions. Absolument aucune. Et puisqu'ils ne vous connaissent pas, ce sera pour vous un travail que je qualifierai de facile. Trop facile, à mon avis. C'est tirer les oiseaux sans défense perchés dans les branches. Et étant donné que les hommes n'ont pas d'ailes, ce sera plus facile encore. Vous ne pouvez pas faire cette besogne à un autre. À un tueur, par exemple. Écoutez, ne soyez pas si pointilleux, Stevens. Pensez-vous que ces gens-là demandent une autorisation écrite quand ils tirent sur quelqu'un? D'autre part, cette affaire nous est strictement réservée, à vous et à moi. Or, moi, j'ai des rhumatismes. Vous vous sentez en forme pour commencer dès demain? Bon, le gouvernement me paie pour ça. Bon, très bien. Je vais vous faire porter les photos et les renseignements sur ces messieurs, et bonne chance. Vous devriez plutôt dire bonne chasse, monsieur. Bonjour. Oh, une seconde. Laisse-moi m'assurer que je ne suis pas en train de rêver. Tu es bien réveillé? Merveilleusement. C'est tout de même pas Dick qui t'a envoyé. Non, mais c'est Harriman. Sers-moi un scotch et ouvre tes oreilles. Bon. Voilà un billet d'avion. Des travelers chèques, des dollars. Formulaire C-17, avec le chiffre. 1000 livres sterling et 12 shillings. C'est tout. Tu dois être à l'aéroport dans 6 heures. Tu pars par le vol 881. Et où allons-nous? Aux Bahamas? J'ai dit tu pars, Martine. Oh, j'espérais que tu venais avec moi. Non, j'ai d'autres projets. Et voici les photos et les fiches des trois hommes en question. Qui est celui-ci? C'est Jacques Danard, d'origine canadienne, apatride. Il s'est réfugié à Paris. Tu le trouveras à l'hôtel Président. Bon. Et celui-ci? Un peu bronzé. C'est Jay Morton, citoyen du Ghana. Il a été signalé à Genève auprès des délégations de l'ONU. Eh ben, il n'a pas l'air aimable. Ahmed Mourad est le troisième homme. Un Turc inquiétant. Entre deux assassinats, il paraît qu'il cultive une véritable passion pour les fleurs. Il y a plusieurs jours, on l'avait aperçu à Hambourg, mais il a su brouiller les pistes. Chin Chin? Voilà, c'est tout. Dès qu'il aura été localisé, le patron te préviendra. Tu as des questions à me poser? Une seule.
Est-ce que tu me donneras jamais un peu d'espoir, Jeannette? Tu veux que je réponde? Non. Sauve-toi, ou je vais rater mon avion et perdre mon meilleur ami. J'avais oublié le plus important. Il est déjà chargé. Excusez-moi, je vous en prie, monsieur. Je voudrais voir un de mes amis, Michel Deville, de Bordeaux. D'habitude, quand il vient à Paris, il prend une chambre ici. Je vais regarder. Dali, d'Alembert, Danton, Danat, Dassin, Destaux, Dolman. Vous avez dit Deville? Deville, oui. Ah non, monsieur, il n'y a pas de Deville. Merci. Et à votre service. Oui, monsieur. Merci. Foule au roi. Vous désirez, monsieur? Un pernaut, mais avec beaucoup de glace, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Oh, excusez-moi. Je suis désolée. C'est de l'authentique Dom Pérignon 1953, ça. Oh, laissez-moi donc faire, je vous en prie. Vous êtes fâché contre moi, hein? En tout cas, je devrais. Non. J'ai un peu trop bu ce soir. Hein? Seulement un peu? Peut-être un peu plus que ça. Mm-hmm. Mais ne le dites à personne. Non. Qui veut du Dom Pérignon bien glacé? Qui veut du Dom Pérignon? Merci. Ah ben, ça défend pas mal. Tu m'as soufflé $100. Bon, ben, ça suffit. Tiens, je vais me coucher. Merci. Bonne nuit, monsieur.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh, t'occupe pas de ça. Allez, allez, reviens au lit. Oh, mais je comprends pas. Pardon, monsieur, mais qu'est-ce qui s'est passé en haut? Mais je n'ai rien vu. Vous ne savez pas où est passée la fille blonde, par hasard? Qui ça, Dom Pérignon? Oui. Vous devriez chercher parmi les pensionnaires de Notre-Dame à la messe du matin. Attention, le vol 332 de Swissair en provenance de Paris se pose sur la piste numéro 5. Les passagers en partant sur Zurich sont priés de se présenter à la porte numéro 2. Les plus récents rapports de la FAO montrent clairement que le grave problème de la production et de la distribution des produits agricoles et alimentaires n'est absolument pas résolu. La faim provoque encore aujourd'hui des situations dramatiques dans de nombreux pays de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine. En outre, on doit faire face à l'augmentation continuelle de la population mondiale. C'est pourquoi on a constitué une nouvelle commission d'études dont font partie des représentants de l'Inde, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de la Turquie, du Ghana, du Chili. Le Congrès est en train de préparer un projet pour intensifier l'aide aux pays sous-développés. Nous sommes sûrs que les différentes organisations de l'ONU contribueront...
mettez pas devant. Tais-toi et ne bouge pas. J'aurais dû y penser, Dom Pérignon. Allez, reste où tu es maintenant. Et pas de plaisanterie, hein? Ne te fais pas remarquer et avance. Je te préviens, n'essaie pas de recommencer parce que tu risquerais de le regretter. Et voilà. C'est au cas où tu aurais pris la photo pendant que je tirais. Vous êtes un type formidable, vraiment. Et vous savez même tirer au pistolet. On me paie pour ça. Dis-toi que si la guerre éclatait, il faudra que je fasse la même chose, mais gratis. Ne pouvez-vous pas en finir une bonne fois? Mais bien sûr que si, quand tu m'auras dit enfin pour qui tu travailles, et qui a renseigné Danard et Morton d'une part sur mon plan d'action, et d'autre part, ce qui leur a permis de m'identifier. Vous commencez à devenir monotone. Je vous ai déjà dit que je ne savais rien de votre histoire. Non mais tu me prends pour un idiot. Tu m'asperges d'une espèce de peinture phosphorescente l'autre soir à Paris, ce qui a d'ailleurs failli me coûter la vie. Tu es encore sur ma route ici à Genève, tu essaies de me tirer une balle dans le crâne, et tu veux que je te prenne au sérieux quand tu dis que tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passait. Pas la moindre. Vous êtes-vous déjà trouvé en tant que reporter avec votre appareil photo au Mont-de-Piété? Et un ami qui vous plaque sans payer l'hôtel quand vous n'avez pas un centime sur vous? Votre Danard m'a offert du champagne et une belle petite somme, juste pour faire une blague à quelqu'un. Vous auriez refusé, vous. Comment pouvais-je savoir que j'allais être mêlée à une pareille combine? Et le mouchoir, là? Danard me l'avait donné. J'avais trop bu ce soir-là, vous avez dû vous en rendre compte. Dis-moi que ta présence ici à Genève est aussi une coïncidence? Il y a des mois que je devais faire un photoreportage sur l'ONU. Dès qu'il m'a eu donné l'argent, je suis venue tout de suite. Je ne crois pas un seul mot de tout ce que tu m'as dit. J'ai supprimé déjà deux de mes adversaires. Maintenant, il me reste le troisième à liquider. Mais cette fois-ci, je ne te laisserai pas aller prévenir ton partenaire. Vous voulez dire? Mais il y a deux solutions au choix pour cela. T'emmener avec moi ou plus simplement te retirer de la circulation. J'opte sans hésitation pour la première. Mais mon reportage sur l'ONU? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Tu auras de quoi en faire un autre beaucoup plus passionnant. C'est moi qui te le dis. Alors, si vous le dites. Bon, tu peux te nettoyer, tu sais, au point où nous en sommes. À cette heure-ci, la police a emporté le pied de ton appareil avec ton sac à main. Tu es ma complice, que tu le veuilles ou non. Maudit Dom Pérignon. Allô? 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 On parle de Genève. Genève? Martine. Qui? Martine? C'est toi? Oh, je te croyais à Paris, spectateur assidu des Folies Bergères. Tu parles de folie. C'est pas moment de plaisanter. Non, il faut que je te pose quelques questions. Oui. Pour ça, il vaut mieux que tu t'adresses au patron directement. Le voilà, je vais te le passer.
Allô, Martine? Heureux de vous entendre. Tout va bien? Aucune difficulté? Non, tout va très bien, monsieur. Avez-vous de nouvelles instructions? Oui, j'ai reçu un rapport intéressant d'une de nos bases. Il faut agir rapidement, Stevens. Notre ami turc nous a été signalé à Athènes. Partez immédiatement. Nous ferons l'impossible pour vous envoyer son adresse dans les plus brefs délais. Nous savons de façon sûre que cet homme a pour couverture un commerce de fleurs. Voilà déjà un point sur lequel vous pouvez tabler. Alors allez-y, foncez, mon ami. C'est le dernier. À bientôt, Stevens. Et... bonne chasse. J'ai compris, Bateau. Merci. Les roses bleues sont arrivées ce matin, drague. Regarde, Stevens. Il me semble que cette Mercedes noire est en train de nous suivre. Oui. Depuis l'aéroport, tu as raison. Ne te retourne pas. Dites-moi, nous changeons d'itinéraire. Pour l'instant, nous n'allons plus à l'hôtel. Conduisez-nous au Pirée pour commencer. Au Pirée? Bien, monsieur. Si vous réussissez à semer cette voiture noire, il y a 100 drachmes de pourboire pour vous. Ça vous va? Allez, viens, dépêche-toi. Et attention! Thank you.
premier coup est pour toi. C'était le troisième homme? En personne. Ce n'est pas moi qui l'ai averti, celui-là. Ça me paraît évident. Une bonne occasion perdue. Pourquoi n'as-tu pas tiré? Je crois avoir compris le fin mot de l'histoire. Quelqu'un a perverti le rôle que je devais jouer tout d'abord. D'exécuteur, je deviens victime. Et alors? Je veux découvrir qui est ce quelqu'un, comprends-tu? Si je liquide le Turc, je perds ma seule chance de réussite. Oh, je m'imagine sans peine qu'il y en a d'autres prêts à venir le remplacer. Combien pourrais-je avoir de chances de m'en sortir si je m'attaque à un tueur complètement inconnu? Qu'as-tu l'intention de faire dans ce cas? Ne rien te dire de plus. Je courrais sûrement moins de risques comme ça. Nom Martin Stevens, taille 1m85. Cheveux châtains, signe particulier néon. Très fort en karaté. Porte toujours un calibre 38 sous l'aisselle. Et un petit Weston automatique avec silencieux. Et je vous préviens, quand il tire, il manque rarement son but. Il exerce un attrait incontestable sur le sexe opposé, qu'il sait utiliser habilement. Est arrivé il y a 3 heures en compagnie d'une fille blonde, par le vol 781. Avez-vous des questions? Tout est bien clair? Bon. Vous commencez tout de suite. Voyez dans tous les hôtels, même les plus modestes, tous les nightclubs et les bars. Encore un petit détail. Observez bien le visage de cette fille. S'il te plaît. Stevens. J'apprécierais sans doute mieux ce Sirtaki s'il n'y avait pas autant d'inconnus ici. C'est-à-dire? L'homme que tu cherches pourrait bien être caché dans un coin de la boîte et nous tenir dans le champ de mire de son colt. C'est plus probable que tu ne le crois.
Laissez-vous tenter, mademoiselle. Merci. Tenez. Permettez-moi, monsieur, c'est un cadeau pour vous. On ne trouve cette variété de roses qu'à Paris et à Genève. Excusez-moi une minute. Je voulais te remercier pour la rose. Tu fais souvent ça quand tu veux dire merci aux gens? Seulement si je trouve porte-close, c'est tout. Je te croyais à Hong Kong, Ingrid. Dès que tu es parti, le chef a comme par hasard décidé de me faire changer de poste aussi. Ah, oui, Hong Kong est le coréen de mon vieux Dick. J'ai l'impression qu'il y a un siècle de cela. Non, il y a à peine un an. Oui, le monde est petit. Tu vois, le temps passe vite. Qui est cette blonde? Oh, elle s'appelle Geneviève Lafont. Ce n'est qu'une invitée de passage. Elle n'est pas mal. Il fut un temps où j'en aurais été jalouse. As-tu encore quelque chose à me raconter à propos des roses? Non, rien. J'ai reçu de Londres un message chiffré cet après-midi avec tes coordonnées, l'adresse à te passer. Tu connais cette boutique? Non. Mais en réfléchissant bien, Syndagma Square, ça me rappelle quelque chose. Quoi? Peut-être que ça n'a pas de rapport, mais c'est arrivé il y a une vingtaine de jours. J'accompagnais à l'aéroport un de nos agents en transit quand il m'a semblé reconnaître devant une boutique de fleurs, justement là, à Syndagma Square, au 29, j'avais remarqué le... Ingrid! Il vaudrait mieux qu'on parte avant qu'ils ne reviennent. Oui, c'est plus prudent. Oreste Kiri, une sorte de pastis. Ingrid, parce qu'elle voulait me parler d'une chose importante, extrêmement importante sans doute. Et pour m'empêcher de connaître ce qui avait pu me mettre sur la voie, elles ont employé les grands moyens. Tu l'as aimée? Nous avons travaillé ensemble à Hong Kong pendant 3 mois. Et j'ai dû partir en mission ailleurs par ordre de Londres. Je la revoyais pour la première fois ce soir. Moi, je pense plutôt que ce poignard t'était destiné, et toi? Non. Celui qui a lancé le poignard n'en était pas à ses débuts. Moi, il pensait me supprimer avec la voiture. Mais ils vont recommencer? Oui, ça, je m'y attends. Je pense que le Turc, depuis son échec de ce matin, doit être pressé de reprendre ses manœuvres afin de garder l'initiative. Charmante perspective. Bon, assure-toi, ça ne durera pas longtemps. Le tout est qu'il me manque jusqu'à demain soir. Bon, alors écoute-moi bien, Geneviève. Ah, tu te décides tout de même, hein? Dine? Δεν ξέρω. Όχι.
ne vous retournez pas, il y a deux individus qui sont venus me demander si vous étiez ici. Ok, à l'Écosse. Tu as su les convaincre qu'ils se trompaient, non? Oui, et sans grenade cette fois, monsieur. En 1959, à Chypre, à l'Écosse a été un précieux auxiliaire pour nous pendant la guérilla. Bon, et si vous voulez partir, je vous accompagne. D'accord, l'Écosse. Oh, à propos, j'aurais besoin de renseignements, si tu peux. Connais-tu un bon tailleur pour hommes, par hasard? Voilà, madame. Merci. Merci beaucoup. Vous désirez, monsieur? Voilà, je voudrais offrir des fleurs à une jeune femme, mais j'ai hésité. Et puis j'ai pensé que peut-être le mieux serait des roses de Rhodes. J'en ai eu d'ailleurs de magnifiques. Mais je ne suis pas certaine qu'il m'en reste. Excusez-moi un instant, je vais voir. Je vous en prie. Désirer les roses de Rhodes? Ce qu'il y a de plus beau. Je suis désolé, monsieur. Nous avons vendu les dernières voilà une heure. Oh. C'est dommage. N'y a-t-il pas d'autres fleurs qui pourraient vous intéresser? Si. Des roses bleues, peut-être. Mais si j'en crois ce qu'on m'a dit, il est vraiment difficile d'en trouver en Grèce. Tant pis, cela ne fait rien. Au revoir, monsieur. Ralentissez et prenez la première rue à droite. À l'action le plus tôt possible. Mais je ne dois attaquer qu'à coup sûr. Mmh.
j'ai préféré louer ici. Personne ne m'a vu. Évidemment, je ne passerai à l'action le plus tôt possible. Mais je ne dois attaquer qu'à coup sûr. Toutes mes félicitations. Le pauvre mannequin a joué son rôle parfaitement. Il vise bien, cet Ahmed. Il m'aurait traversé la horte avec une seule balle. Je suis mort, en tout cas. Et par conséquent, la logique veut, si on me croit mort, que j'en tire un avantage sur mes adversaires. Pour pouvoir exploiter à fond cet avantage, il ne faudrait pas que tu te montres. Bah, dans les premiers temps, non. Oh, bon sang, c'est bête. Si seulement Dick était ici, lui m'aiderait. Qui? Dick Stamp, mon meilleur ami. Nous avons mené à bien deux missions importantes ensemble. Écoute, puisque je suis sur place, moi, tu ne crois pas que je pourrais me rendre utile? Toi? Tu plaisantes. Je n'en ai pas la moindre intention. Oh, ni moi non plus, d'ailleurs. Tu sais, mon petit, dis-toi qu'il ne s'agit pas de faire des photos en dilettante. Et puis, tu devrais savoir qu'à la lumière solaire, les flashs n'ont aucun effet. Surprise, hein? Oh, tu es le bienvenu.
Et comment as-tu fait pour arriver juste au bon moment? Bah, je n'avais pas tellement confiance en toi et j'ai préféré ne pas te perdre de vue. Toujours aussi gentil. Tu veux la fouiller? Assieds-toi. Bon, et maintenant, si ça ne t'ennuie pas, j'aurais besoin de quelques petits éclaircissements. Qui a mis les trois hommes au courant de mon plan? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Non, je suppose que tu ne m'as pas très bien compris. Je ne suis pas en train de plaisanter. Geneviève, ferme la porte et prends ton appareil photo. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Je sais parfaitement que tu travailles avec une sorte de chef dont tu dois transmettre les ordres. Qui est-ce? Je n'ai jamais vu cet homme. J'ignore même son nom véritable. On l'appelle le Grand Dragon. Le Grand Dragon? Ce n'est pas celui du Ku Klux Klan. Le tien doit sûrement travailler pour ton pays. Je suppose que vous communiquez avec ça? Allez, dépêche-toi, parle! Le Grand Dragon se met en contact sur des ondes de fréquences toujours différentes. Nous ignorons où il se trouve et d'où il émet. J'ai vu quelque chose de ce genre chez IBM. C'est une longueur d'onde pour un contact calculé sur une fréquence électromagnétique. Maintenant, écoute-moi bien, beauté. Lève-toi et mets cet appareil en marche. Transmets ce message à ton chef, le Grand Dragon. Complication pour les roses bleues. Pour instruction, devons nous rencontrer immédiatement à Athènes. Demain, 10h, Acropole, stop, drague. Braqué sur toi, ne l'oublie pas. Maintenant avance et ne te retourne pas.
Allez. Parle. Nous sommes d'accord, c'est contraire à la Convention internationale de la haie. Mais ton pays ne fait pas partie de l'organisation. Je constate que ton dragon n'a pas osé donner signe de vie. Mais il était sur l'acropole, ça j'en suis certain. Et toi, tu l'as vu. Tu connaissais parfaitement son visage. Et tu as réussi à lui faire comprendre le danger d'une façon quelconque. Et c'est pourquoi le dragon m'a filé entre les doigts. Stevens, j'ai terminé. J'espère que ça ira. Attention, elles sont encore humides. Rien d'intéressant. Tu as trouvé quelque chose? Non. Non, c'est juste une idée. Une idée un peu folle en y réfléchissant. Je voudrais un agrandissement de cette photo-là, mais tout de suite. Très bien. Allô, mademoiselle. S'il vous plaît, je voudrais Londres, officiel. 99-77. Passez-le-moi en urgence. Bon, merci. Allô? Londres? Comment allez-vous, Stevens? Ah, c'est vous, Harriman. Eh bien, c'est-à-dire, je voulais parler à Dick Stamp pour un renseignement qui me manque. Vous pouvez venir me le demander, je suis à Athènes. Athènes? Mais quand êtes-vous arrivé? Il y a 2 heures. Je tenais à me rendre compte où vous en étiez. Vous faites traîner les choses en longueur, mon cher. Alors, je nage dans cette affaire, il se passe des choses très bizarres. Mais il serait bon que vous veniez m'expliquer tout ça de vive voix. Et immédiatement, voici mon adresse, Kifisia... Villa West. Je vous attends, hein, à tout de suite. Ok, Stevens, ta photo sera bientôt prête. Geneviève, est-ce que tu te sens capable de la garder pendant environ 2 heures? Bien sûr. Mais où vas-tu? Faire une petite visite de politesse. Je reviendrai le plus vite possible. Si jamais elle essaie de s'échapper, pour un revolver, tire sans hésiter, hein, il est chargé. D'accord. Oui, allô? Allô? Vous avez Londres, parlez. Ah! Stevens, pas par là. Montez l'escalier. La deuxième porte à droite. Approchez, mon cher Stevens. Désirez-vous un de mes cigares? Non, merci. Ah, vous avez tort. Ce sont des Havanes, des grands. Sir Winston, un connaisseur s'il en fut, les adorait. Ils atteignent une perfection que peu de fumeurs apprécient de nos jours. Bon, eh bien, je pense que votre mission peut être considérée comme terminée. Mais comment cela?
Notre troisième homme n'a pas encore été liquidé. Ça ne va plus tarder maintenant. Quand vous serez mort, il ne sera plus question de troisième homme. Je dois d'ailleurs reconnaître que votre guet-apens était très bien combiné. J'ai été à deux doigts de me trahir sur l'acropole. Heureusement, Mai Lang a réussi à temps à me faire comprendre que vous vous cachiez un peu plus loin. Quand je pense que je vous croyais mort sans gloire dans votre chambre d'hôtel... J'avoue que vous avez droit à toutes mes félicitations, dragon. En récupérant l'électroscomètre, vous avez rendu un grand service à l'Angleterre, mais vous m'avez causé un préjudice terrible à moi. En effet, c'est clair, étant donné que c'est vous qui aviez préparé le vol de l'appareil. Très juste. Et puisqu'il n'y avait que vous et moi qui sachions que l'électroscomètre était récupéré... Logiquement, il devenait nécessaire de m'éliminer. C'est ainsi que vous avez eu l'idée de cette soi-disant mission, mais avec des rôles intervertis. Malheureusement, les circonstances vous ont favorisé, alors j'ai dû intervenir personnellement. Croyez bien, Stevens, que là-bas, à Londres, tout le monde déplorera sincèrement la perte d'un élément de votre valeur. Je le déplorerai encore plus que les autres, car j'aurais été tué par un traître. Voulez-vous me suivre? Avec plaisir. Oh! Oh! Maître, attrapez-le! Allons-y! L'intervention, ma chère Mai Lang, a été à la fois providentielle et, si j'ose dire, amusante. Quant à vous, Stevens, vous auriez dû savoir que ce qui a mal commencé ne finit pas toujours bien. Ahmed, excusez-moi, je ne supporte pas ce genre de spectacle. Tu te crois invulnérable, Harriman. Mais moi, ça ne m'ennuie pas tellement de disparaître quand je pense à ce qui va t'arriver. Oui, je t'ai préparé une bonne petite blague de dernière minute. Ah, mais... Vois-tu, si je meurs, toi, tu es fichu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avant de venir ici, j'ai remis quelque chose à l'attaché militaire de l'ambassade de Grande-Bretagne. Quelque chose dans une enveloppe scellée qui sera ouverte en cas de mort ou de disparition. Dans cette lettre, je t'ai dénoncé comme responsable de ma mort éventuelle, mon cher Harriman. Et d'autre part, j'ai joint les preuves formelles de ta trahison. Quelle preuve? Des photographies édifiantes. Oui, ça se peut. En effet, il avait des photographies. Me croyais-tu assez naïf pour arriver ici sans avoir pris les précautions élémentaires? Vous avez été habile, mon cher Stevens. Vraiment très habile.
Martine? Martine, c'est toi enfin. Réponds, où es-tu? Oui, Tappen, l'affaire est arrangée. L'invention est entre nos mains. Et on va te la remettre à l'endroit convenu à Istanbul. La semaine prochaine, d'accord? Je vais très bien, merci. Au revoir. Oui, mais le champagne était phosphorescent, monsieur l'inspecteur. Écrivez, la jeune fille déclare que le champagne était phosphorescent. Continuez. Après, il y a eu l'incident de Genève. Ce noir, un paraplégique, que je vois juste marcher devant mon appareil photo. Un noir paraplégique marchait devant votre appareil photo? Oui. Mais c'est ici, à Athènes, qu'ils ont essayé de nous supprimer tous les deux. Excusez-moi, mademoiselle, ils ont, dites-vous, qui? Le Turc et son amie chinoise. Oh. Bon, quelqu'un doit les avoir prévenus de notre cela mission. Est très clair. Vous savez, ils ont toute une armée d'hommes à leur service. Ben, cela va de soi. Mais mademoiselle, pour qui travaillez-vous exactement? Pour Paris Match. Ah, mais alors vous n'êtes pas un agent secret. Je ne vois pas pourquoi on voudrait vous tuer. Oh, écoutez, inspecteur, l'agent secret, c'est mon ami Martin Stevens. Ah oui, celui du champagne phosphorescent. Et où se trouve-t-il actuellement, ce monsieur? C'est ce que je voudrais bien savoir, justement. J'ai peur. J'ai peur que Martin Stevens s'ait été enlevé. Permettez que je vous pose une question, mademoiselle... Geneviève. Geneviève Lafont. Dites-moi, mademoiselle Lafont, vous êtes sûre que vous vous portez bien? Monsieur, je me porte si bien que je voudrais que vous veniez avec moi. Je vous prouverai ce que j'ai dit. Il y a un magasin de fleurs dans le centre. C'est là qu'ils ont installé leur quartier général. Et c'est de là qu'ils communiquent avec le Grand Dragon. Le Grand Dragon. Oui. Alors, inspecteur, voulez-vous venir, oui ou non? Armé, si cela vous ennuie pas, messieurs. Vous vous rendrez compte par vous-même. Allons-y. Je demande la bille. Non, prenons plutôt un taxi. Nous attirerons moins l'attention. Entrez la première. Fleurs, que sont-elles devenues? Les fleurs, vous dites? Hier, il y avait une boutique de fleurs ici. Ça, j'en suis certaine. Tenez, là, il y avait des glaïeuls. Là, il y avait des gerbes d'œillets. Et là, c'était de grandes plantes vertes. Mais mademoiselle, vous devez confondre avec un autre endroit. Vous êtes dans la maison Papadopoulos. Nous sommes antiquaires ici depuis 1931. Le téléscripteur. C'est une singère automatique, presque neuve. Une excellente occasion, cela vous intéresse? Alors cette fois, au revoir, mademoiselle, l'affaire est close. Estimez-vous heureuse de vous en tirer à si bon compte. Essayez de vous reposer quelques jours, cela vous fera du bien. Venez. Mmh.
taxi. Hé, taxi. Conduisez-moi à l'ambassade britannique, s'il vous plaît. Il est calme. Il a bien fait 5 km de long en large depuis qu'il est là. Il ne se lassera jamais. Il se lassera. J'en ai maté de bien plus coriace. Stevens, je te prie de me pardonner de m'être laissé prendre comme une imbécile. Chut, non, non, ne me dis plus rien, Geneviève. Ne t'inquiète pas pour nous, j'ai mis le négatif moi-même dans l'enveloppe. Tu comprends maintenant. Nous avons en main une arme secrète sensationnelle. Mais tu as confiance, oui ou non? Enfin, Dick. Eh bien, tu en as mis un temps. Je suis parti de Londres par le premier avion dès que j'ai reçu ton message. Par bonheur, l'Interpol d'Athènes a mis immédiatement une patrouille à ma disposition. Harriman, j'espère que tu as pu l'arrêter. Non, il s'est enfui avec un de ses hommes, mais sois tranquille, il n'ira pas loin, va. Quoi, tu ne te sens pas bien? Non, je suis pas averti, c'est pas grave. Tu sais, j'ai eu peur de ne pas arriver à temps. Tu seras toujours le même. Pourquoi n'as-tu pas envoyé un message à notre ambassade? Ils étaient à portée de la main, moi j'aurais pu être absent de Londres. Bon, je pensais que ce n'était vraiment pas la peine de mêler notre attaché à cette histoire. Je n'avais en réalité à leur fournir que des présomptions sur Harriman. Mais aucune preuve valable. Merci, voilà ce que je voulais savoir, mon cher Stevens. Vous avez vraiment eu tort de ne pas envoyer votre lettre à l'attaché militaire. Parce que Dick Stamp est mon bras droit. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi qu'il ment, je t'en prie. Allons, parle. Salaud. Faites la terre. Assez, assez, lâche. Assassin, je veux sortir, je veux sortir. Ouvrez-moi, ouvrez-moi. Six jours, le colonel Taplin doit venir me rejoindre à Istanbul. Nous allons pouvoir lui remettre enfin cet électroscomètre qu'il a tant désiré et empocher notre argent. Pourquoi es-tu si pressé? Tu sais, Dick, maintenant, il y a des quantités de gens qui s'intéressent à cette invention et qui sont disposés à payer n'importe quel prix pour l'avoir. Quoi, tu veux dire que... Que je n'ai plus l'intention de vendre l'électroscomètre à Pékin. Il y a quelques jours, un agent tchécoslovaque m'a fait une offre très supérieure pour le compte d'une autre puissance. Mais nous ne pouvons pas faire une chose pareille. Il y a des mois que nous travaillons pour eux et ils nous paient bien. Pourquoi ne pouvons-nous pas? Puisque les autres paient mieux, je choisis les autres.
Et Mei Ling, il l'a envoyée ici pour nous surveiller. Crois-tu qu'elle se contentera de regarder? Non, elle ne regardera pas. Nous la liquiderons en même temps que Stevens. Discrètement. Comme tu voudras. Qu'est-ce que tu trouves de si agréable dans ces drôles de fleurs tarabiscotées? Tu comprends rien aux fleurs et à la nature. C'est le résultat d'une greffe de mon invention. J'ai appelé cette variété parfum d'Orient. Oui, je respire encore. Tu es contente? Tu sais, Mei Ling, je n'arrive pas à croire que j'ai affaire à une vraie femme. Pourtant, j'en ai connu. Des belles, des laides, douces, méchantes, immorales ou bêtes. Mais en tout cas, de vraies femmes, avec une âme, un corps. Des impulsions, des élans, des réactions humaines. Mais toi, tu es un robot. Tu n'es pas une femme, Mei Ling. Je suis persuadé que dans ta vie, tu n'as jamais embrassé un homme. Pourquoi n'essaies-tu pas? Ah. Je l'aurais parié. Tu es aussi froide que la statue de la liberté, dommage. Hé, hey, Harriman, Dick, et si par hasard je ne vous avais pas raconté l'histoire? Si j'avais vraiment envoyé cette lettre, hein? Il ment pour nous impressionner. Nous n'avons été que trop patients comme ça. De bonnes rafales de Sten et nous en serons débarrassés aujourd'hui, Harriman. Tu as raison, il bluffe. Bien, donne les ordres, dis-le au sourd. Et si par hasard, il ne bluffe pas? Si au contraire, il dit la vérité cette fois. Il est assez intelligent, je crois, pour avoir envoyé l'enveloppe à l'attaché militaire et avoir raconté un mensonge à Dick parce qu'il le soupçonnait et qu'il voulait découvrir son jeu. C'est de peut-être absurde. Il y aurait peut-être un moyen pour en avoir le cœur net. Éliminer Stevens et la fille, par exemple, dans un accident, dont bien sûr Dick serait également victime. Moi? Tu es son meilleur ami, non? Imaginez un accident de voiture. La voiture se retourne et tombe sur les rochers. Toi, tu t'en sors, par miracle. Et tu fais aussitôt un rapport à l'attaché militaire. Oui, et de cette façon, il te sera facile de reprendre cette fameuse lettre, en admettant qu'elle existe, naturellement. C'est exactement ce que j'étais prête à ajouter. Au fond, ça me paraît un moyen assez élégant de s'en débarrasser. Et d'autre part, notre présence pourrait avoir été remarquée à Athènes. Un accident nous évitera des questions trop précises. Mei Ling, j'aurais sans doute besoin de ton aide. Bien entendu. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui les endormirai. Et quant à la mise en scène, veux-tu un conseil? Tu connais le Cap Sunion? Qui ignore ce coin-là? Un temple du plus pur style dorique et un abîme de près de 100 mètres. Bon. Sois prêt dans 2 heures environ. Elle a de bonnes idées, cette chinoise. Tiens, prends ça. Tu sais comment t'en servir, le cas échéant. Fais-moi confiance là-dessus. J'ai toujours eu un faible pour les choses bien faites. Dépêche-toi de réparer ça, hein? Bon, rien. Tu dois être à condensateur. Coupe le général. Allez! Il serait peut-être plus prudent que j'aille voir. Ce Martin ne me plaît pas du tout. Que veux-tu qu'il fasse? C'est pas un Superman. Aide-moi plutôt à changer le câble. Descends. Va voir ce qui se passe. Dépêche-toi. Ce n'est pas la peine. Regarde.
Hé, hey, venez me donner un coup de main. Sotiris, prends l'hélicoptère et file à l'aéroport, que tout soit prêt dans 2 heures. Bien. Au ciel. L'effet de la drogue dure 16 heures. Laisse le moteur tourner. Reste où tu es, tais-toi. Ne bouge pas. Et regarde devant toi, les mains sur le volant. Oui, c'est moi qui ai provoqué la panne de votre génératrice. Vous avez voulu vous jouer de moi. Le mieux pour nous était de faire front ensemble. Vous n'en sortirez pas vivant. Appelle les autres. Demande-leur de venir ici pour t'aider. Mais pas de mitraillette, hein. Et dépêche-toi. Hé hey hey, les gars! Venez me donner un coup de main, tous les deux. Inutile d'amener les armes. Confiance en moi. Je me trompais quand je t'ai dit que tu étais un robot. Mais maintenant, tu as prouvé que tu as une âme généreuse. Ce n'était pas de la bonté. Je me suis vengée. Tu n'as pas fait cela uniquement par vengeance, Meylan. Vois-tu, dans mon pays, on nous enseigne à être
si différent de vous, Européen. Ne dis plus rien. Martin. Oh, Martin. Réveille-toi, Geneviève! Réveille-toi, Geneviève! Tu es allé, Harriman, hein? Que je n'en sortirai pas vivante, Martin. Mais j'espère que notre ami Harriman sait maintenant ce que c'est qu'un bon tour à la chinoise. Je te souhaite bonne chance. Adieu. Alors, la chinoise m'a expliqué son plan et m'a fait une piqûre d'eau distillée. Alors, moi, j'ai fait semblant d'être anesthésié. Je comprends. Et voilà. Oh. L'affaire est enfin classée. Harriman. J'ai travaillé avec lui pendant plus de 5 ans. Je le tenais pour le meilleur des chefs de nos services secrets. Très bien, Stevens. Rien d'autre? Si ce n'est pas indiscret de vous demander cela... À quoi sert l'électroscomètre gamma, mon colonel? Vous vous souvenez, il y a quelques mois, quand New York a été privé d'énergie électrique pendant 12 heures environ? Oui. En accord avec le gouvernement des États-Unis, nous effectuions ce jour-là un essai en commun de cette invention. Oui, en somme, vous voulez dire que... C'est cela, oui. L'électroscomètre, placé en un point donné d'un circuit magnétique, peut en un instant... bloquer toutes les sources d'énergie sur 50 km de rayon. Tu comprends? L'électricité coupée. Une ville entière serait dans l'obscurité et paralysée. Tous les gens en proie à la panique. J'ai compris. Mais si nous pensions maintenant à nos vacances en Italie, l'avion part dans 2 heures, je te le rappelle. Dis, j'emporte mon flash? Non, ni flash, ni appareil photo, chérie. Ni Dom Pérignon. J'ai d'autres projets. Stevens, est-ce qu'ils ont fait fonctionner l'électroscomètre gamma? Non, chérie, c'est moi qui ai éteint la lumière. Je veux commencer à suivre notre programme.